Point numéro 4 de la dame. Ézéchiel 18:31. Ézéchiel 18:31. Que je vais lire. En fait, Ézéchiel 18:31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendu coupable et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Alors, je pense que la dame croit que ça veut dire qu'on doit faire des œuvres, mais en fait non. Le contexte, faut voir le contexte. Là, il ne parle pas du fait de se débarrasser de ses péchés pour aller au paradis. Le contexte est se débarrasser de ses péchés et suivre les commandements de Dieu pour éviter de se faire châtier, pour éviter de vivre une vie pourrie. Parce que si vous commettez tous les péchés qui sont dans la Bible, votre vie va être misérable. Vous allez complètement, lamentablement rater votre vie. Vous allez être puni par toutes sortes de choses qui vont vous arriver dessus. Donc le contexte d'Ézéchiel 18, ça parle de pas tomber dans tous les pièges de la vie, quoi. Tout simplement, si vous êtes un homme horrible, si vous êtes quelqu'un d'horrible et de méchant, ben, vous allez vous faire... Et d'autant plus si vous êtes chrétien, le Seigneur va vous châtier. Le contexte, c'est ça. Et ici, en Ézéchiel 18, au verset 31, en fait, il faut lire verset 29 et verset 30, d'abord. Verset 29, il dit, donc c'est Dieu qui parle, il dit, « Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix, ô maison d'Israël, qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées ?» Donc, les gens, à l'époque en Israël, ils disaient, les voix de Dieu, c'est-à-dire les jugements de Dieu, sont pas corrects. Et Dieu, il dit, mais non, c'est vos jugements à vous qui sont pas corrects. Qui c'est qui a raison? C'est Dieu ou c'est les gens? Évidemment, c'est Dieu qui a raison. Mais les gens disent, ah, Dieu n'a pas raison, la Bible c'est mauvais, les lois de la Bible sont mauvaises, les commandements sont mauvais et tout ça. Non, nous, on va faire notre propre moralité. C'est ça, en fait. C'est que les gens veulent établir leur propre moralité. Et à l'époque, c'est Israël, ils rejettent les commandements de Dieu, et ils essayent d'établir leur propre loi, leur propre moralité, et c'est ce que font toutes les nations. Les Français, ils veulent rien entendre parler de la Bible, et ils veulent établir leur propre moralité, leur propre jugement de ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qui est bien et mal. Et au verset 30, puisque les gens sont comme ça, puisque les gens veulent établir leur propre, puisque les gens pensent que leur propre moralité est meilleure, au verset 30, il dit, « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. » Ok, vous voulez vous justifier, vous voulez dire que votre moralité à vous est meilleure. Ok, je vais vous juger selon votre propre moralité. « Ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne devienne point pour vous une cause de ruine. » En gros, il est en train de dire, « Arrêtez de pécher et vous n'allez pas mourir. » Mais c'est valable dans le monde physique, c'est-à-dire dans votre vie, si vous arrêtez de pécher, vous n'allez pas recevoir tout le châtiment de Dieu qui va venir sur vous. Par contre, pour accéder à l'éternité, c'est impossible, on l'a déjà vu. Donc en fait, en gros, ce qu'il leur dit, il les met au défi d'essayer par leur propre moralité, d'arriver à se sauver eux-mêmes. C'est ça qui fait, je pense que c'est ça qui fait ici. Il leur dit deux choses, en gros. D'abord, le contexte est plutôt, ça parle d'être châtié par Dieu ou pas. Mais je pense qu'il y a une deuxième chose à voir là-dedans, c'est que quelque part, il les met au défi de comme il dit au verset 30, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est un sacré défi. Afin que l'iniquité ne devienne point pour vous une cause de ruine. Parce qu'en fait, dans le fond, en vérité, c'est impossible de se détourner de toutes ces transgressions. C'est pour ça qu'on a besoin du Christ. C'est parce qu'il est impossible de se détourner de toutes nos transgressions. Mais eux, ils voulaient en faire qu'à leur tête, en fait. Donc le Dieu leur dit, ok, allez-y, faites-en qu'à votre tête et à essayer. Essayez donc.
et on verra si vous êtes ruiné ou pas. Et en fait, on l'a vu maintes et maintes reprises, quand ils essayent, et ben à chaque fois ça marche pas. Quand le peuple d'Israël va commettre des péchés, va aller après d'autres dieux, après ils vont se convertir, ils vont retourner à Dieu, mais ça dure jamais longtemps, c'est jamais éternel. Parce que le problème, c'est que l'homme, quand il essaye de se sauver soi-même, de se détourner de toutes ses transgressions, ou de se repentir de tous ses péchés, ça ne marche pas, ça ne tient pas, c'est fragile, ça tombe, ça ne tient pas, c'est pas crédible. Au verset 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendu coupable. » Il les met au défi de faire ça, mais c'est impossible de le faire en totalité. C'est impossible de le faire suffisamment pour que ça puisse nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël ? Il leur dit de se faire un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais ça, c'est pas nous qui le faisons. Parce que c'est pas nous qui pouvons nous faire nous-mêmes un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ça, c'est une opération surnaturelle que fait Dieu quand il sauve les gens. Pour nous, c'est impossible de changer notre cœur. On l'a vu, Matthieu 5, verset 28-29, on a vu qu'on avait le cœur mauvais. C'est impossible pour nous de changer nous-mêmes notre cœur. Dieu, il les met au défi, il leur dit, bah, puisque vous faites les malins, vous voulez en faire qu'à votre tête, allez-y, faites-vous donc un cœur nouveau, faites-vous donc un esprit nouveau. Mais en fait, c'est impossible. C'est Dieu qui nous fait un cœur nouveau, un esprit nouveau. En Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, et c'est justement ça la promesse du Nouveau Testament, c'est que c'est pas nous qui devons nous faire nous-mêmes un cœur nouveau, mais c'est que Dieu va nous donner un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 26, ça parle aussi du Nouveau Testament. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est-à-dire, c'est Dieu qui opère, littéralement, c'est Dieu qui opère la chirurgie de cœur. Il enlève le mauvais cœur et il nous donne un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, un cœur fonctionnel. Voilà, un cœur qui, du coup, ne peut plus pécher. Verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit », donc c'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit, il met en nous son esprit. C'est pas nous qui pouvons nous fabriquer un esprit nouveau. Ça, c'est le transhumanisme. À la limite, c'est le transhumanisme qui veut... C'est la théorie de l'évolution, c'est le transhumanisme qui veut faire que l'homme accède à une prise de conscience, c'est la soi-disant prise de conscience du nouvel âge, soi-disant les gens vont accéder à un niveau supérieur de conscience, c'est un mensonge, c'est impossible. La vérité du Nouveau Testament, c'est que c'est Dieu qui fait venir sur nous cet esprit nouveau, qui nous donne cet esprit nouveau, comme il est dit, Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit ». Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Donc en Ézéchiel 18, en gros, il leur dit, allez-y, faites-le vous-même et vous verrez les résultats. Des résultats temporaires, des résultats qui ne peuvent pas être éternels, qui ne tiennent pas dans l'éternité. Par contre, en Ézéchiel 36, là, il vous dit, c'est moi qui vais vous donner un cœur nouveau. C'est moi qui opère, qui vous fait la chirurgie de cœur, je vous donne un cœur nouveau et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Parce qu'une fois qu'il nous a régénéré, qu'il nous a donné un nouveau corps, bah, on ne peut plus pécher. C'est pas parce qu'on s'est réformé nous-mêmes, mais c'est parce que c'est Dieu qui nous a reconstruit, qui a créé cette nouvelle créature. On n'est pas sauvé en se réformant nous-mêmes. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent ça, qui pensent qu'il faut changer de vie pour être sauvé. Et en fait, quelque part, je pense qu'en Ézéchiel 18, quelque part, Dieu les met au défi. Puisque ces gens-là veulent n'en faire qu'à leur tête et veulent réformer leur vie, changer de vie pour être sauvés, en Ézéchiel 18, le Seigneur leur dit, bah, allez-y, essayez donc, vous verrez les résultats. Donc certes, si vous réformez votre vie, certes, vous allez vivre une vie un peu plus saine, un peu meilleure. Par exemple, si vous arrêtez de boire de l'alcool, bah, votre vie n'en sera que mieux. Si vous arrêtez de regarder de la pornographie, votre vie n'en sera que mieux. Si vous commencez à écouter les enseignements de Dieu et tout ça, votre vie n'en sera que mieux. Mais il faut comprendre que ça ne tiendra pas dans l'éternité.
C'est pour ça que après Ézéchiel 18, après qu'on a été mis au, en gros, on a été mis au défi de se changer nous-mêmes, ben on continue à lire et on lit Ézéchiel 36 et on se dit, ah oui, ah non. En fait, on ne peut pas se donner à soi-même un cœur nouveau, on ne peut pas se créer soi-même un esprit nouveau, mais c'est Dieu qui va faire, qui va opérer tout ça, en vertu de sa promesse, dans le Nouveau Testament. J'aime beaucoup, Ézéchiel 36, c'est l'un de mes passages préférés, parce que c'est vraiment magnifique concernant le Nouveau Testament, et c'est très clair, c'est lui qui va nous donner ce cœur. C'est vraiment lui qui va donner gratuitement et c'est lui qui va faire que on pourra marcher dans ses commandements. C'est lui qui va faire qu'on va marcher dans ses commandements. Il va nous faire marcher dans ses commandements. La rébellion, à ce moment-là, la rébellion ne sera plus possible. Et enfin, la dame dit dans sa question, à la femme adultère, Jésus a dit, désormais ne pèche plus. La même chose aux gens qui la guérit. C'est une bonne remarque, très bonne remarque. Quand Jésus guérit quelqu'un ou quand il sauve quelqu'un, après cette personne-là, il ne faut pas qu'elle continue dans le péché, ce serait stupide. Non pas parce que cette personne-là irait en enfer si elle continue dans le péché, mais parce que le péché va simplement ruiner sa vie. Et quand quelqu'un a cru l'évangile, cette personne-là devient enfant adoptif de Dieu, et un enfant adoptif de Dieu est châtié par son Père céleste, s'il commet des bêtises, enfin s'il continue dans le péché. Pierre avait fait une vidéo là-dessus, enfin c'est. D'ailleurs, si vous avez des questions, avant de poser la question, à la limite, regardez dans les vidéos sur En Christ et la vie, si la question a probablement déjà été répondue, en fait. Donc, il lui dit, va et ne pêche plus, bah évidemment, ne continue pas à faire les choses pour lesquelles tu étais condamné et pour lesquelles je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé de ces choses-là. Donc, arrête de les faire. Parce que sinon, je vais te donner une fessée, en gros. C'est ça que ça veut dire. Sinon, ton Père céleste va te donner une fessée. Et c'était des péchés très graves. Je veux dire, de toute façon, quand vous apprenez que quelqu'un est adultère, vous dites, faut lui dire d'arrêter, quoi. Enfin, il faudrait lui dire d'arrêter. Si un juge va acquitter. Là, par exemple, si quelqu'un est libéré de prison parce que le président de la République a gracié cette personne. Donc le président dit je te gracie, tu peux t'en aller, tu es pardonné de tes péchés, de tes crimes. Mais quand même, on lui dit, voilà, mais ne recommence pas. Mais, ne recommence pas. Donc bon bah merci beaucoup pour la question. En conclusion, je voulais dire quand même, je pense que. Si vous voyez tous ces passages-là, en fait, vous voulez que ça vous enseigne un salut par les œuvres, parce que à l'époque où la personne a posé la question, je pense que c'est parce que vous n'êtes pas sauvé. Donc le problème, c'est que vous voyez chaque passage comme un passage qui vous enseignerait à être sauvé par vos œuvres. Parce que les personnes non sauvées, si elles ne sont pas sauvées, c'est parce qu'elles croient être sauvées par leurs œuvres. C'est pour ça qu'elles ne sont pas sauvées. Parce qu'elles croient être sauvées par leurs œuvres. Donc quand vous avez ce présupposé dans votre tête, à chaque fois que vous lisez la Bible, chaque passage, ben dans votre tête, il y a une espèce de filtre qui interprète tout comme étant un salut par les œuvres. Donc à chaque fois que vous lisez une chose, vous l'interprétez comme, ah oui, salut par les œuvres. Donc ça veut dire salut par les œuvres. Une fois que vous êtes sauvé, c'est comme Jésus dit à Nicodème en Jean chapitre 3. En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu parce qu'il est aveugle. Il est aveugle spirituellement parce que il a ce présupposé dans la tête selon lequel on est sauvé par nos œuvres. Donc il voit tout au travers de ce filtre. Et Nicodème, il faut d'abord qu'il soit sauvé. Et je pense que c'est le problème de la dame qui pose la question. Donc depuis, elle a peut-être été sauvée, parce que ça fait un moment en plus qu'elle a posé les questions. Mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas encore mis votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, vous interprétez tout comme étant un salut par les œuvres. Donc je vous invite à regarder, il y a d'autres vidéos qui expliquent le salut et que Dieu vous protège. Et vraiment, j'espère que Dieu vous donnera l'éclairage là-dessus. Et Seigneur, je te prie de rendre cette vidéo inutile.
de rendre cette vidéo utile pour des gens et qu'on soit tous édifiés et que les gens puissent comprendre vraiment, que les gens puissent percer ce brouillard qui les empêche de voir la simple vérité de l'évangile. Et concernant toutes tes autres écritures, Seigneur, éclaire-nous. Merci, au nom de Jésus. Amen.